Salut à tous les mecs, salut et bienvenue dans mon bureau. Je suis Shani Bobbers, apprenti sorcier à mes heures. Et on se retrouve aujourd'hui, on est où? On est où? Pose ça. Non, récupère le livre, voilà. Pose ça. Là, je peux. Ok. Et on se retrouve aujourd'hui sur Attack of the Fail Team, la saison 2 d'Attack of the B Team sur ma chaîne. Et ouais, et la première chose que je vais faire, c'est vous dire un grand merci à tous. Vous savez quoi, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, les mecs. J'ai dépassé les 500 abos. On est 502. 502 cinglés qui se rejoignent pour délirer. Et la première chose qu'on va faire aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire quoi? Tu sais ce qu'on va faire quoi? On va dire un grand merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, et n'oubliez pas les mecs, je reste avec vous sur cette chaîne pour délirer ensemble et essayer de se faire des bonnes parties Minecraft et autres jeux. Donc, si vous avez des commentaires, des envies, des choses à me dire, vous n'hésitez pas. Il y a le Facebook, il est là pour ça, il y a les commentaires de YouYou, ils sont là pour ça. Et voilà. Et aujourd'hui les mecs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire quoi? On va passer en chauve-souris, ouais. Et on va se mettre en mode infiltration, parce que je vous explique, il est actuellement 4h du matin. Ça fait 3h que je suis arrivé en Belgique, Luxembourg, j'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos. Et comme toute bonne personne qui a du mal à dormir, je me suis dit, tiens, tu vas faire plaisir, tu vas aller jouer. Je suis tout seul sur le serveur, donc je me suis régalé. Et je voulais vous montrer quelques petites nouveautés. Donc déjà, on a Ellie, qui a installé sa petite baraque. Et il a bien bossé le mec. Et je voulais vous montrer un détail que j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'on va le voir? Regardez bien. Un œil, un autre œil, une bouche grande ouverte, un chapeau. Il a fait mon portrait sur sa maison. Non, je déconne. Hein. Et puis, deuxième chose que je voulais vous montrer. On va commencer par lire le panneau. Bepi, je maudis ta maison, ta terre, ton sang, puisse les forces de la nature s'emparer de ta maison et la faire moisir et fleurir. Mr. Clyde. Oui, je vous l'avais dit, Mr. Clyde arrive pour pourrir tout le monde sur ce serveur. Et son assistant culé. Ouais, j'ai un assistant culé. Et son identité demeurera secrète qui m'a aidé à faire cette prank. Donc, Bepi, ta maison a été décorée avec des willows. Des glintweed, des plantes un peu partout. Hein. Il y a de la plante partout si vous cherchez. Il y a de la plante de witchery, ça c'est bien, hein. ça se met partout. Ça aussi, voilà, recouvert. De la Spanish moss, des plantes en équilibre. Et j'ai signé avec mon très célèbre signe du dollar shiny. On a aussi mis des fleurs un peu partout. Je sais pas si vous voyez. Ping, 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 ping. Il y a des fleurs, des cactus, des arbres. Bon, on lui a recouvert sa baraque. Il ne le sait pas encore. Enfin, s'il l'a vu, j'ai posté un screenshot sur mon Facebook et il a de suite mis j'aime, mais il l'a pas encore vu en vrai, donc on va lui laisser découvrir en vrai. Et ça, c'était la première partie. Deuxième partie que je voulais vous montrer, regardez ça, j'avais mis mon aide de camp ici, hein. Et c'est devenu super aide de camp. Oh, je te kiffe, je te kiffe. Et le mieux, je prends un risque, hein. Vous remarquez, il ne s'en prend pas à moi. C'est vraiment mon aide de camp. Mon aide de camp, rien qu'à moi, je t'aime, je te ferai des bisous si je t'aimais pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer ailleurs, parce qu'on a des choses à faire, les mecs. On a des choses à faire. La première chose qu'on va faire, c'est repasser en vue normale. Youpi. Voilà, on va poser notre armure ici. Toi, dégage là, voilà. On va se mettre en tenue de combat. Et on va s'équiper de ceci. Donc ceci est une Death Protection Puppet. C'est, en clair, c'est une poupée de protection contre la mort. Ça coûte une blinde. Quand je dis une blinde, c'est une blinde à fabriquer. Je vous montre la recette. Je te la montre. Ok. Non. Là. R. Non plus, non plus, ça c'est le Refined Evil. Il vous faut ça, Refined Evil. Donc, de la méchanceté raffinée. Hein. Et ça s'obtient comment? Il faut faire avec des vapeurs de diamants et une larme de ghast. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai chassé le ghast.
mais pendant une plombe. Une plombe, j'ai plombé du gaz. J'en ai eu plein, et résultat, j'ai 64 If I May Devil. Ce qui m'a permis de fabriquer plein de Death Protection Puppets. Est-ce qu'on peut voir la recette? Alors quand vous cliquez, il vous montre tout. Le puppet de base, c'est ça, Spanish Moss, une aiguille en os, un fil et 4 laines. Ok. Et celle de protection contre la mort, on rajoute 4 d'or, des vapeurs de diamant et une goutte de chance. Et la goutte de chance, on l'obtient avec quoi? Mutandis Extremis et Refine Devil et une bouteille d'eau. Mais maintenant, je vais pas le montrer. Je vais pas le montrer. Mais on va passer dans un de mes endroits secrets que j'ai au spawn dans le village. Et je vais pas en dire plus. Je vous retrouve tout de suite, les mecs. Les poulets d'amour. Bienvenue dans la pièce secrète. Alors on y accède par ce bloc. Je ne dirai pas où est caché ce bloc. Si vous regardez la minimap, je suis quelque part. Je me balade. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? On va prendre un bloc. Du gravier, tiens, par exemple. Ce sera parfait. Et je voulais vous demander, vous connaissez Harry Poppers? Le vrai, pas moi. Harry Poppers. Harry Poppers, il lutte contre Voldemort. Et dans le dernier, Voldemort a des Horcruxes, des endroits où son âme est sauvegardée. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer mon premier Horcrux qui est dans le village. Planqué ici. Je m'en fous de montrer la minimap, vous saurez jamais où c'est, à quelle profondeur et compagnie, les mecs, cherchez pas. Et on va poser ça, Puppet Shelf. Comment ça se craft un Puppet Shelf? Je vous montre. Puppet Shelf. Je l'ai cherché tout à l'heure. Avant de le fabriquer. Et merde, je le trouve plus. Witchery, il devrait être quelque part là. Flowing Spirit, ça il m'en faudra. Alors, ça me semble être sur la page suivante alors. Là je vois les popettes. Mais le Puppet Shelf, P-O-P-P-E-T. Puppet Shelf, le voilà. 4 Atune Stone, donc de la lave, un diamant et Whiff of Magic. Au milieu, une laine verte et de la Nether Brick. Et on obtient ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un stand à poupée, on va dire. À poupée vaudou. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre la poupée. De protection contre la mort. Prendre un taglock à mon nom. Et dire... Shani, tiens, t'es protégé une fois contre la mort. Mais ce serait pas un vrai Horcrux si j'avais pas prévu mes arrières. 1, 2, Taglock, Shantou. Ok, ping. Et là, on va faire quoi? On va faire hop, et tiens, et 2, et 3. Et au fur et à mesure, je vais remplir mes Horcrux avec des poupées de protection de tous les genres. Youpi. Et ensuite, qu'est-ce qui est prévu? Vous connaissez ça? Ender Porter? Non, je sais pas si vous connaissez. Alors, je vais vous montrer la recette. Ça fait un moment que je l'ai crafté. Enfin, voilà. Ender Porter. Il est où? Il est là. Voilà. 3 Ender Pearl, de la pisse en bloc. De l'opsy et une pressure plate. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va vous TP à l'endroit le plus haut. Enfin, non, au premier endroit à la surface, en fait, à l'étage du dessus, si vous voulez. Mais si je suis au niveau de la bedrock et que l'étage du dessus, qu'il n'y a rien, on va dire que c'est. Comment on va dire ça? Si c'est complet, totalement, on va dire que c'est bouché comme ça, là, que c'est rempli de blocs au-dessus de moi, et que 64 niveaux plus haut, il y a un bloc. Un petit bloc d'air ou deux, et ben quand je vais monter là-dessus, ça va m'y TP de suite. Donc, j'ai mis mes Horcrux en place. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu, Shani? On va faire autre chose. Ah oui, j'ai crafté ça. On en avait parlé, le Dreamweaver of Nightmare. Hop, et on va le poser là. Pourquoi on va le poser là? Parce que...
J'ai bien envie d'essayer de me faire un rêve pour une fois, et pas un cauchemar. Donc on va se mettre là, contre le Dreamweaver of Nightmare, et on va croiser les doigts pour faire un rêve. Downloading terrain. Merde, cauchemar. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Et il va me fumer en plus. Non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Il y a des mobs partout. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. On va essayer de trouver du Disturb Coton en courant. La 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 la. Vous connaissez Dragon Ball Z? La musique. Ta 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 la. Ta 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 la. Ta gueule. Ta gueule, cauchemar. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ça tombe bien. Bon. On a fait un cauchemar. Alors, le Dreamweaver, il est censé me donner 50% de chance de faire un rêve. 50%, ça veut dire 1 sur 2. J'ai 3 popos. Vous croyez qu'on arrive à faire un rêve? Hop. Sinon, il faudrait que j'en recrafte sous peu. Yeah! Yes, I... What the fuck? Je croyais qu'il était pas censé avoir de mob dans la dimension des rêves. Bon. Batman. Il y a des cripous, ouais, quand même. Je vois. Un cripou, là. Ah. Ah. Coucou. Alors ça, ce sont des esprits, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et ce qu'il faudrait que je trouve, c'est de la bouffe. Donne-moi de la bouffe. Beaucoup de bouffe. Est-ce qu'il serait possible d'avoir de la bouffe végétale sans avoir à buter tout ce qui bouge? Des cochons. Et là, on recherche du Wispy Cotton, il me semble que c'est. Dans le cauchemar, on a le Disturb. Et nous, on cherche le Wispy. Portobello, ça se mange? Je sais plus. Est-ce que je peux manger le Portobello tout seul? On verra. On verra, on verra. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de moyenner d'avoir du Wispy Cotton? Du Wispy, du Cotton. Et je vous explique, il va falloir que je fasse une base ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut faire que dans ce monde, avec Witchery. Et regardez bien comment j'aime le ciel. Bienvenue dans mon rêve, les mecs. Bienvenue dans mon rêve. Coton. Non? Glintweed. Non. Ah oui. Glowflower, c'est des fleurs glowstone, un peu comme celles que j'ai fait avec Witchery, mais avec moins de classe. Ouais, moins de classe quand même. Bon, du coton. Si t'étais du coton... Salut, on est dans le monde des rêves, j'ai le droit de te parler maintenant ou toujours pas? Non? J'existe pas pour toi, hein. Eh oui, les sorcières me rejoignent dans les rêves. Elles sont là, elles sont là. Et j'ai des pics de lag, ça commence à me saouler, ça commence à me saouler, ta-la-li-la-li-la-li, et je veux trouver du coton, s'il vous plaît, du coton, s'il vous plaît, coton, s'il vous plaît, mais pas de celui-là, c'est le bon, c'est le Wispy, c'est le machin, là, ou c'est le coton normal, ça? White Redstone Lamp, c'est du coton normal, j'en veux pas de ta merde, c'est de la merde, ta magie. White Redstone Lamp, non, ça m'intéresse pas. Ok. Continuons de chercher. Les mecs, le premier qui trouve le coton a gagné. Le Wispy Cotton, ça ressemble un peu au Disturbed, mais en plus joli. Ça, c'est du coton normal ou c'est du Wispy? Wispy! Yes! Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il va m'en falloir, mais à blinde. Je sais pas si on peut le faire pousser, mais si on peut... Oh, j'en ai pas des comme ça. Je pourrais pas le ramener dans le monde normal, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pas grave. Ok. Ok. J'ai rien de mon stuff. Mais alors rien de chez rien, de chez rien, les gars. Rien. J'en ai trouvé un. Il m'en faudrait une centaine. Au minimum. Au minimum. Mange, mange. Voilà. Wispy. Là, il y en a encore. Ça, je reconnais. Maintenant, j'ai vu sa gueule. Je sais à quoi tu ressembles. Mais dégage, toi, et tes graines de fraises, là. Wispy, Wispy, Wispy Cotton. Je vais sûrement redémarrer. Pourquoi? Parce que j'ai des pics de lag. Ah non, je sais pourquoi. Oups.
Si t'es pas fait exprès. Je vous explique, comme je suis pas chez moi, c'est setup à l'arrache avec ordi portable et compagnie, et toi, j'aime ton casque. Mais bon, et donc, de temps en temps, j'ai ma grille de ventilation de l'ordi portable qui s'obstrue, vu que je suis posé n'importe nawak, et il aime pas trop. Lui dites pas, chut. Si après vous lui dites que je vous l'ai dit, il va me faire la gueule. Ouh, Wispy, Wispy, donne à moi. Eh ben, vous savez, le cul que j'ai, ce que c'est? C'est qu'on soit pas obligé... du café. C'est qu'on soit pas obligé de le cultiver... de le cultiver dans ce monde-ci. De prendre un bowline pour le couper, ou un truc comme ça, ou des shears et compagnie. J'ai pas besoin de tout ça. Ah, DB, parfait. Donne DB. DB, 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 bienvenue dans le paradis, DB, 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 DB. C'est pas grand chose, mais ça nourrit son homme. DB, encore DB, toujours DB, hop, DB, encore. Alors là, j'ai 13 Wispy Cotton, j'aimerais bien en avoir 18, et puis après, il faudra que je me suicide. Mais me petit suicider, ça va être facile. Ouais, je fais des petits suicides. Non, là, c'est du barley. Ça, c'est pas du barley, par contre. Est-ce qu'il y a moyen que j'en ai un petit peu plus? Yes. 8, ça sera peut-être assez. Vous savez quoi? On va regarder ça. Et moi, je vais me petit suicider pour passer dans le monde réel. Mais maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble le monde du rêve. Ciel rose, gna 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 gna. Et quand on suit dans le monde des rêves, c'est comme dans les cauchemars. Donc on monte assez haut. Et on reprend Shani. Ça va faire Pâques. Pâques. Et voilà, on repasse dans le monde réel. Et je veux savoir si j'ai gardé quelque chose. Oui, 16 Wispy Cotton. 16 oui. Oh, le petit lag. 16 Wispy, 16 coton, 16 Wispy coton. Maintenant, je vais vérifier. Est-ce que ça se cultive? Ouais, ok. Bah, tu sais quoi, on va en laisser là au cas où. Et voilà. Et ce que je veux savoir, c'est... j'ai des os, là. J'ai de la bonne mine, quelque part. Non, ça, c'est mon sac Witchery. Chut. Personne n'a rien vu. Ah, mais j'ai de la bouffe aussi, là. Dommage que j'y ai pas accès dans le monde des rêves. J'ai plus de bonnes mille, ouais, à force d'avoir fait des conneries contre Buppy. On n'a plus rien. Non. Non plus. Non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Un os. Voilà. Et j'ai vu de la bonne mille aussi. Hop, toi. Et hop, toi. Toi. C'est vraiment toi. Pam 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 waouh. Pam 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 waouh. Non, ça fait rien, absolument rien. Ok. Ok, pas de souci. Et toi, si je te clique, c'est pareil. Ok. Ouh, la belle erreur de Chunk. Ok, rien de plus. Pas de problème, mon Gary. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Vous voyez, 4, je fais un Fancy Full Trade. Et avec le Fancy Full Trade, qu'est-ce que je fais? Dreamweaver of Flip Food, des Dreamweaver, vous voyez? Et Witch's Ladder. Ok, et ça c'est quoi? Charm of Fanciful Thinking. Il faudra que je regarde tout ce que c'est que ça. Mais Brew of Flowing Spirit, regardez bien, il faut un Fanciful Thread, Spanish Moss, Water Artichoke, Glintweed, Mandrake et Wool of Bat. On en fera la prochaine fois et il faut que ce soit fait dans le monde des rêves. Donc on va devoir se faire un setup de base là-bas. En plus, personne ne pourra m'atteindre à partir de là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est bon? Ok. Ok, 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 ok. Ok. Donc, ça c'est fait. On a vu les rêves ensemble. On a vu la prank à Buppy. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hop. Je suis bien en Shani. C'est bon. Donne-moi mon inventaire, s'il te plaît. Donc, ça c'est fait. On va les mettre dans le sac à Witchery. Witchery! Non, c'est pas ça. Witchery! Voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai encore des poupées, hein, y a pas de souci. On a le charme de Polynésie. Ah, voilà. Donc ça, c'est un charme de Witchery. Les gars, aujourd'hui, c'est spécial 500 abonnés, spécial Witchery. J'essaye de faire un maximum de choses, j'ai pas mal avancé.
Mais on va essayer d'utiliser ce charme. Pour ça, il me faut un animal. Petit. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Mr. Clyde est venu ici. Futurs abattoirs de Mr. Clyde. Et on a des nouveaux venus. Donc là, on a Cléminator, ce qui a commencé à... Je crois que c'est Clem qui l'a fait, ouais. Cléminus is in the place. Il a réquisitionné un peu d'endroits. Un tout petit peu. Donc on a Ellie, on a Clem. Il y a Wifou qui doit traîner quelque part, mais il sait pas encore où s'établir, lui, je crois. En clair, on se balade, on se balade, on se balade. Mais moi, je cherche un animal. Donnez-moi un animal, s'il vous plaît. Bubby, t'as des vaches par là. Bubby, je vais taper la tchatcha avec tes vaches. J'espère que ça te dérange pas. Charme de Polynésie. Hop, et voilà. 12 ouettes contre 4 birches. 4 ouettes contre 2 sugarcane. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce charme à la main, on fait un clic droit sur les animaux et il nous propose des options. Donc là, on a vu les vaches, mais je vais aller jeter un coup d'œil à d'autres choses, peut-être un peu plus... Comment dire ça? Mouton, poulet. On se balade aujourd'hui. Je prends le temps de faire les choses avec vous, mes amis. Avec vous, mes amis. Et puis, je voulais parler aujourd'hui. J'ai voyagé pas mal. J'ai pris l'avion, le train, le bus. Et suffisamment pour me permettre de dire... J'ai déjà ton chapeau à toi, t'as de la chance. Pour me permettre de dire... C'est la... Qu'est-ce que tu fais la feuille encore? Voilà. Merci, je l'avais pas celle-là. Suffisamment pour dire, c'est la merde de voyager. Je vous explique le super voyage de Tonton Chani, le temps qu'il trouve les animaux. Hein. Ah, un mouton, parfait, je l'avais déjà tondu. C'est moi qui les tonds, hein, ceux-là. 4 ouettes contre 2 os. Oh, ça c'est une bonne négociation, mon Gary, on va revenir. Pikachu, est-ce que je peux négocier avec toi? Yes! Et il me file de l'or. Contre du blé, je peux faire une ferme d'or, ok? Ok, il y a quoi d'autre? Un poulpe, vous croyez qu'on peut discuter avec un poulpe? Non, il le considère pas comme un mob. Et toi? Toi, tu me donnes de l'argile contre des patates? Ok. Eh ben, on va devoir récolter plein d'animaux dans pas longtemps. 5 pommes contre... J'ai des pommes, j'ai des pommes, j'ai des pommes, j'ai des pommes, j'ai des pommes. Non, j'ai pas de pommes. Je reviendrai. Bon, ça, je vais le garder. Donc, lui, comment on le craft? C'est pas super compliqué. De la netherwort, de l'odeur de pureté, un petit whiff of magic, un poisson cru et de l'iron. Easy, easy job. Et je parle aux animaux. Et oui, chers amis du serveur, je sais que vous regardez mes vidéos. Eh ben, je vous le dis, une guerre approche. Une guerre approche et je suis en train de la préparer sans que vous le sachiez. Oui, donc je parlais de mon voyage. Désolé, c'était mon côté Mr. Clyde qui ressort. Il faut pas y faire attention. Le docteur a dit que c'était pas grave. Et on a. Donc j'arrive ce matin à l'aéroport. Ils te font rentrer à l'embarquement. Déjà, enlève tes chaussures, enlève ta ceinture, enlève ta monnaie, enlève ton blouson, enlève tout. J'ai pas eu droit à la fouille au corps. Chanceux, Chani le chanceux. Hein, il n'a pas eu droit aux doigts dans le. C'est bon, j'étais content. J'arrive, je m'assois en salle d'embarquement. Votre avion a été retardé d'une heure. Ok. On prend l'avion. 12 connards qui n'avaient pas foutu leurs valises en soute. J'appelle bien ça des connards parce qu'ils savent très bien que leurs valises ne rentrent pas dans les porte-bagages de l'avion. Mais ils considèrent eux que c'est leur bagage. Alors pour aller plus vite à la sortie, ils le gardent avec eux. Résultat, l'avion il a été bloqué 30 minutes de plus le temps que de mettre leur bagage en soute. La haine. Et un cheval, il me dit quoi? Tiens, pardon, en même temps, truc. Donc, ça m'a mis légèrement la haine. J'ai tendance à m'énerver assez facilement dans ces cas-là. Mais là, il y a des choses comme ça me met la haine. Ça me met de mauvaise humeur. Donc, non, ils aiment pas ça, les chevaux. Ok, pas de souci. Et donc, l'avion décolle, le voyage se passe nickel, on arrive avec 1 heure et demie de retard. À l'arrivée, on devait prendre une navette. J'avais appelé un taxi, si vous voulez, taxi navette, pour m'amener directement à Namur en Belgique. J'arrive. Pas de navette. Grève. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ma journée. Donc, je vais voir et on me dit, non, faut attendre le bus.
Ok. Le bus pour Namur, il était 17h30 quand je suis arrivé. Le bus pour Namur, il arrivait à 20h30. Et à 18h, il y avait un bus pour le Luxembourg qui arrivait sur le Luxembourg à 20h30. Ok, tant pis Namur, je me casse au Luxembourg voir ma mère. Pas dans ta face de rat. Je me barre d'ici, vous me cassez les noix. Il est où le spawn déjà? Je me suis paumé. Oh, il est pas loin par là. Et donc je me retrouve dans le bus pour aller au Luxembourg. Bien sûr, j'arrive à la capitale qui s'appelle Luxembourgville. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez mignon, c'est très vert comme pays. Tout petit et très vert. Et donc j'arrive à Luxembourgville et je me dis, je prends un train jusqu'au bled de ma mère. Non. Non, 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 non. Je prends pas de train parce que la gare là-bas était fermée pour raison de travaux. Donc tu prends le train jusqu'à la gare d'avant. De la gare d'avant, tu prends un bus qui t'amène à l'autre gare et arrivé à l'autre gare, tu prends le taxi pour aller chez ta mère. Résultat, parti ce matin à 10h, arrivé ce soir à minuit, 1h, 2h du mat, dans ces eaux-là. La haine. Et voilà pourquoi j'ai du mal à dormir et que je me retrouve sur ce jeu avec vous. Et on va continuer nos Witcherisations. Et on va continuer par quoi? Oui. On va aller au village. Alors, Seb Game, j'ai un message à te passer. T'es un de mes viewers, je sais, j'ai vu tes commentaires. Tu m'as parlé de mon setup Tinkers. Il marche, ouais, mais il est dégueulasse d'après toi. Tu sais quoi? Je l'ai pas fini. On en a fait 5%. Je vais te montrer, je suis en train d'avancer, tu vois, et après je décorerai. On décore à la fin. Tu commences à comprendre? Ça va faire du chain lingo. Mon gars, ça va faire du chain lingo. Laisse-moi te dire qu'ici, tu vois, ça là, ce que tu trouves moche, ça va être tout le bâtiment là qui va être fait de ça, de ces buissons qui me truquent. Voilà, je voulais te montrer ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais je te le montre quand même. Et ce que je veux faire, c'est prendre mon livre de Witchery, Circle Magic, hop, à la bonne page. 7 par 7 par 4, il me faut un hôtel à 3000 et le cercle de 15 par 15. 15 par 15, c'est le grand, il me semble. Large, infernal, il va me falloir de la redstone. Prends de la red. Prends de la stone et prends de la red. Dégage de là. Et prends de la redstone, parfaitement. Un poc de redstone. Juste un poc. Voilà. Et on va aller se poser quelque part. Il me faut un 15 par 15 de libre. Est-ce que j'ai ça sur mon île? Au milieu des zombies? Non. Ici non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Putain. Chani pas content. Et là, peut-être ça passe. Non, 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 non. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu es décidé à me casser les... Ok. C'est pas mon jour, les mecs. Je vous l'ai dit, c'est pas ma journée. Mais c'est pas grave, il faut garder le sourire, tu vois. Je suis mort de rire, je suis avec vous, ça me fait plaisir. Je me régale. On va se taper ailleurs. Et pour une fois, je cheat. Ouais, les mecs, je cheat. On va se taper à un endroit où c'est plat. Un endroit où c'est plat. Un emplat où c'est droit. Disons ici. Ça m'a l'air assez droit. T, hauteur 80. J'ai le droit, hein, on en a discuté avec les autres. Quand on veut faire des trajets rapides en vidéo, on s'autorise le TP. Uniquement en vidéo. Devant vous, devant témoin, je le dis uniquement dans la vidéo. On va faire un peu de place. Alors on est dans un biome origine ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le biome origine. Ça a les mêmes propriétés que Minecraft Alpha. Pour ceux qui n'ont pas connu Minecraft Alpha, l'herbe, ça n'existe pas. Les mobs, passifs, mais à masse, ils arrivent. Et tu peux faire des fermes juste avec de la terre d'origine. Et d'ailleurs, je crois que je peux en récupérer de l'origine grasse. T'es où, zombie? Bébé de l'enfer! Bébé de l'enfer! Viens là. Regarde, 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 j'ai un truc pour toi. Rends-moi mon bois. Yes! Et là, ça passe ou pas? Pourquoi tu veux pas? Alors, laissez-moi réfléchir. 15 par 15. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai planté des... Ah oui! Regardez ça. Biome origine, mon gars. Pas besoin de fertiliser la terre pour que ça marche. 15 par 15, ça fait 7 par 7. Donc si je pars d'ici, de ma carotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok.
Là, il y a un arbre au milieu, ça va pas aller. Les deux arbres là, vous dégagez. Ouep, ouep, ouep. C'est comme ça quand on witcherise. Et bien sûr, les arbres dropent des fruits. Autre que des pommes. Puisqu'on est dans le biome au plenty. Zombie, viens pas me faire chier pendant que je coupe, c'est un conseil pour toi. D'accord. Dégage de là. Dégage de là, je t'ai dit. Merci. Donc là, on recalcule. 1, 2, 3. J'avais mis ma carotte où, moi? J'ai planté une carotte. J'ai planté... Elle est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devrait être bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire un bisou à tonton Shani? Tiens. Ils aiment bien ça, les zombies. Voilà, j'ai mon cercle. Et il me faut mon livre. Et on va prendre les éléments qu'il faut. Si je me trompe pas, il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut ça. Je les ai pas pris pour rien. Et surtout, garde ton épée à portée. Gravier, j'en ai pas besoin. Non, ça va nous faire chier. Dégage là-dedans. Dégage là-dedans. Voilà, j'ai fait de la place. C'est bon, t'es content? Bon. Attention les mecs, ça va piquer. Attention les mecs, ça va piquer. Donc je drop ça. Je drop ça. Non, pas deux. Ah, il va me casser les noix si j'en mets deux. Juste un bridou. Juste un bridou aussi. Dégage-toi. Non, reviens. Reviens le non-œil. Allez, sois pas chiant. On va dégager ça par là, hein. Donc, toi, je m'en pète. Toi, je m'en pète. Toi, je m'en pète. Toi, je m'en pète aussi, je vais juste là. Et donc, ce qu'il me faut, Blaze Powder, ça, ça, et il me faut mon Riff Nedevil. Et toi, je me trompe pas, prends ton livre. Riff Nedevil, Blaze Powder, Ender Pearl, Villager et un Altar Power à 3000. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre l'hôtel quelque part par là. Ça devrait aller. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ok, là j'ai un hôtel, il contient combien? 526, que dalle. Laisse-moi te dire que c'est que dalle. Oui, c'est nous les que dalle, on est petits et c'est normal, quand on sera grand, on sera... Pour ceux qui connaissent pas, matez South Park, les gars, ces chansons à la con, ça vient de là. Hop, il va me falloir quoi? Il va me falloir quoi? Il va me falloir toi? Il va me falloir toi? Déjà, on va poser ça, alors toi... 1500. Youpi. Alors on met le bowline. Est-ce que si je le pose ça fait quelque chose? Non, je peux même pas le poser. Ok. Remonte. Toi. 1500. 2100. Il me faut 3000. Il me faut 3000. 3000. Artana. Hop. Ensuite, chandelier. Hop. Ouais! La zone est éclairée en plus. 2104. Eh bien, vous savez ce qu'il reste à faire dans ces cas-là? On va le faire à l'ancienne, hein. Oui, c'est nous les que dalle, on est petits et c'est normal. Voilà. Là, je suis à combien? 2104. Et là, si je fais ça. 2104. Oh, ça lag. C'est peut-être pour ça que c'est pas bon. J'ai un gros lag serveur, là. Je suis à 40 FPS, les gars. Je le vois marqué grâce à Fraps. Voilà. Putain. Dégage de là. Je veux pas de toi. Je veux plus de toi. Et toi, je veux pas de toi non plus. Et on va mettre des arbres ici. Voilà. Est-ce que si je fais ça, ça passe pas? Non. Est-ce que si... Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? 2104. Non, ça marche pas.
Regardez ce lag serveur. C'est moi qui fais tout laguer comme ça? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le setup, les gars, et je vous retrouve tout de suite. Heureux les poulets d'amour, voilà, 3060, pile poil ce qu'il me faut. Regardez ce que j'ai dû rajouter, de l'herbe recueillie avec mon bowline, de l'herbe, des saplings et compagnie, des arbres en plus, mais on a ce qu'il nous faut. Et donc là maintenant, je drop ça. Je drop ça, je drop ça, ensuite... Vas-y. Voilà. Eh ben. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Serveur lag pas. Non, 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 toi. Non. Oh, saloperie. Vous allez tous mourir pour ça. Voilà, le serveur a du mal. Toi, toi, là-bas. Va là-bas. Va là-bas, witcherie pour les nuls, purée. Vas-y, avance dans le cercle, bordel de poulet. Toi, viens au centre. Viens au centre. Non. Et peur des zombies. Voilà, enfuis-toi, va-t'en. On les attire. Voilà. Non, non. Dégage. Dégage de mon cercle magique. Bon, ben... Voilà, fallait pas me faire chier. On reprend. Donc ça. 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 Et heureusement, j'en ai acheté plusieurs au magasin. Le magasin, c'est l'ordinateur de Mr. Crayfish. Ok, ça. 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 Ah oui, main vide. Vas-y. Vas-y. Allez, 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 allez. Allez, allez. Vas-y, maintenant, maintenant, maintenant. Là, tu sors pas du cercle. Où tu es? Où tu es? Il va me défoncer. Attention, c'est méchant les mobs de Witchery. Il me faut des cœurs de démons en fait. Non, non, non. Ouh. Il frappe comme un camion. Il frappe, mais vraiment comme un camion. Regardez ça. Regardez ça, les mecs. Je suis un démon. Je peux être un démon? Vas-y, on va le mettre de suite dans les favoris. Toi. Voyons, hop. Salut à tous les mecs, salut, je suis démon Chani. Et on a l'impression que je suis bourré quand je marche. Ok, il faut récupérer tout ça, on va repasser en vue normale. Est-ce que je peux voler en démon? Non. Donc, pour ça, il me faut ça. Tu fais tac, tac, récupère ton cercle. Allez! Oh, le lag serveur de fou, ça m'énerve. Rends-moi mon cercle. Allez! Non mais sérieux, voilà. Ensuite, ça c'est pas la peine, mais par contre on va récupérer les choses quand même. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça je garde. Ok, est-ce qu'il me reste de la place? Non. Et voilà. Ça c'est fait. On va se passer en chauve-souris bis. On va prendre de la bouffe dans le sac à bouffe et on va ranger les choses dans le sac de vitcherie. C'est pas le bon sac. Ok. Où est mon sac à vitcherie? Il est là, c'est le blanc. Hop. Hop, et dedans on va y mettre les pièces de l'hôtel, ça, ça, ma tête de Withers, Bowline, j'ai dû en recrafter un parce que j'ai cru que celui-là allait crever entre temps, etc, etc, et il me faut de la bouffe. Et de la bouffe, c'est dans le sac aléatoire. Ouh là là, excusez-moi, j'ai le hockey. Hop.
Hop, hop. Allez, mange, 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 mange. Et ben... Eh ben, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais faire aujourd'hui? On a vu le charme de Polynésie, nia nia, le villageois, l'invocation des démons, j'ai même pas eu le cœur de démon, c'est quoi ce bordel? J'ai buté un démon. Pourquoi j'ai pas ton cœur? Je l'ai buté par où d'ailleurs? Quelque part par là. Une feuille de thé, ça c'est quand ça a pété et je l'ai buté par là. Non, j'ai pas eu le cœur de démon. Tant pis. Eh ben les mecs, eh ben, attendez, j'ai une idée. On va se TP au spawn. Ouais, je sais, ça fait deux fois. Je cheat, mais c'est pas grave, on est très loin. Portail, non. Non, même pas, on va pas se TP au spawn, on va se TP chez moi. Parce que je suis un gros flemmard. T. Voilà. C'est pas cheaté, c'est une option du jeu. D'abord, qu'est-ce que tu racontes? Je suis où là? Je suis glitché dans un bloc. Ok. Casse. Voilà, merci. Merci, voilà. Ah. Et on va se mettre en position, un screenshot, vous connaissez la suivante. On va se mettre là, ici, sur cette pierre. J'ai envie d'être sur cette pierre en démon. En démon. Alors il me reste plus qu'à te dire un truc les mecs. Merci à tous ces abonnés, vous me faites tous plaisir les mecs, vous me faites tous plaisir, je vous adore, je vous fais un bisou démoniaque. Et laissez-moi vous dire un truc les mecs, laissez-moi vous dire un truc. Si tu veux recevoir toutes mes vidéos, tu t'abonnes. Si t'as aimé la vidéo, tu mets un j'aime. Si t'as aimé voir le monde du rêve, tu mets un j'aime. Si t'as aimé voir invoquer des démons et galérer, tu mets j'aime. Et si t'as aimé le charme de Polynésie, tu mets j'aime. Aujourd'hui, on a fait plein de choses de witcherie. Et en attendant, les mecs, vous savez ce qu'on fait à chaque fois. On fait le screenshot du jour. Et celui-là, on va le faire comme ça. Non, comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et il me reste plus qu'à vous dire. Eh les mecs, on se retrouve au prochain épisode. Peace. Allez, à plus.